fait, mes deux premières participations à Vision PDG, j'ai conclu des ententes de partenariat avec des entreprises que je ne connaissais pas une semaine auparavant et qui sont devenues des filons d'affaires absolument extraordinaires qui ont permis de grandir deux entreprises simultanément et de couvrir l'ensemble d'un marché au Québec. I joined AQT in a prior life when we were also a software company and really joined up to find out what the Quebec culture is like, who the players are here from a technology standpoint. One of the best events that they put on, in my opinion, from the perspective of value for money, is the CEO Summit. We get together very frank, open discussions without divulging, you know, your business secrets, but really being able to share those pains we're all sharing. Qu'est-ce qu'on en retire? Je pense que c'est de rencontrer nos clients puis d'être à l'écoute de leurs besoins. Quand on les rencontre dans des contextes comme Vision PDG, par exemple, ça nous permet de comprendre les besoins de ces clients-là puis de s'adapter, de voir venir aussi plus rapidement que si on n'avait pas ce contact-là privilégié dans un contexte d'affaires plus normal ou plus standard, si vous voulez. Dans les chambres de commerce, il n'y a pas vraiment de personnes en informatique. Donc, je me suis dit, ce serait le fun de côtoyer des personnes qui vivaient sensiblement les mêmes réalités que moi. Tout s'est fait relativement rapidement. J'ai commencé avec un Vision PDG où j'ai rencontré André Darsonance. Ensuite de ça, on m'a présenté de fil en aiguille à d'autres personnes. C'est à travers l'AQT que j'ai connu mes nouveaux associés qui sont Innobec. C'est à travers, d'ailleurs, Vision PDG qu'on nous a prêté gracieusement une salle où ce qu'on pouvait échanger sur nos aspirations tous et chacun. Donc, grosso modo, le réseau, le partage, la communication, sans faire, c'est vraiment ça que j'en retire de l'AQT. Je trouve que l'AQT est très actif. C'est des gens qui n'ont pas le souci d'avoir des membres à l'intérieur de leur association, mais ils ont le souci d'avoir des membres en santé, en croissance. Donc, c'est des gens qui ont un focus énorme. Donc, c'est pas des gens qui vont n'importe où. Ils ont des activités comme Vision PDG, les 5 à 7 exécutifs ou Big Bang, qui sont des succès année après année, qui fait qu'on sent une direction et ils veulent avoir le succès, comme je dis, de leur entreprise.